إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va se faire, nous fait une petite réflexion, l'eau, cyclone, Bilal, qui fait traverse avec nous. Et là, beaucoup de choses qui nous capables de tirer dans cet événement qui fait une traverse avec nous. Alors, Inch'Allah, dans nos élaborations, nous vous cite quelques demandes, leçons importantes qui nous ont tiré depuis ce qui vient d'arriver. Il y en a d'autres qui, ce cyclone-là, quand il traverse, la mort, c'est une petite chose qui nous tourne, et là, vous traversez pour ça. Mais, Allah, Rabbu Amin, fait servir ça comme un moyen, une cause, pour qui il y en a un frère qui fait un accident et il fait noyer les mots. Et nous avons encore un des autres personnages qui fait un accident, fait un mot. Alors, par ça, nous étant maintenant dans l'Iman, nous sommes conscients, et dans le cyclone, puis dans le cyclone, l'amour peut venir. Les choses qui nous tirent de ce qui vient d'arriver, c'est que l'amour, n'importe quel moment, il est capable de venir avec nous. N'importe quelle place, il est capable de venir avec nous. Ce qui est important, nous étant manqués dans l'Iman, est-ce que quand l'amour peut venir avec nous, nous dans un état qui Allah Rabbul Alamin pour satisfaire avec nous ou bien non? Alors ça qui est important. Est-ce qu'il nous paraît, Allah Rabbul Alamin, le film rappelle nous, le dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati. » Oh manqués dans l'Iman, gagne taqwa Allah, un vrai taqwa. ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي نابامو excepté comme ban musulman excepté comme ban qui se soumet à la loi Allah. Est-ce que si la mort vient à nous à ce là là nous parmi sa ban qu'Allah Rabbul Alamin fin demande nous pour nous aider si nous comme ça alhamdulillah nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala c'est n'importe qui est hein? N'importe qui arrivé la mort vient avec nous alhamdulillah nous barrer. Mais si nous pas encore arrivé à cette stade, qui nous attend pour qu'il nous change et nous mette nous à jour, comment nous dire, afin qu'il n'importe qui il est, n'importe quel moment, la mort vient nous avec nous, alhamdulillah, nous connaissons, nous faire, il faut en laisser, c'est sûr. Parce qu'une fois qu'il a mort vient avec nous, mon frère, ma soeur, il y a personne qui est capable de retourner ça. Si quelqu'un est capable de retourner, il retourne, il fait un débat, après il réaller. Mais il retour ça. L'amour, une fois venu, c'est ce qu'on fait, ça même qui vous amène avec vous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait à nous connaître une autre chose qui est effrayante. Quand il dit, Yubrasul Ab, bima mata alay. Un esclave, il faut être ressuscité lorsqu'il fait le mot. Lorsqu'il fait le mot, c'est-à-dire dans l'état qu'il fait le mot. C'est-à-dire si les mots dans l'obéissance, ils lèvent dans l'obéissance. Si les mots dans la désobéissance, ils lèvent dans la désobéissance. Alors, est-ce que dans nous la vie nous prend en compte cette réalité là? N'importe quel moment, la mort quand même vient avec nous, et ce moment qui, la mort vient avec nous là, c'est l'état qui nous était là, est-ce qu'il nous donne l'état qu'Allah Rabbul Alamin pour content de nous, pour satisfaire de nous, ou bien c'est un état qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour en coller avec nous? Alors, dans cet événement-là, quand il arrive ça, ça veut dire nous, tiens les gens qui nous préparent pour l'amour. Et dans certaines mandibules, il y a une frôle l'amour, il passe près à l'amour. Une fille commence
Et puis là, un seul coup, tu dis comment couver moi avec moi le temps, mon mot, tu fais mon mot là. Parce que tu vois une passe là dans le Darban trop mal. Alors, ça l'a fait hier qu'ils ont fini de gagner sa mot là. Est-ce qu'ils ont tiré les gens qui prennent même la mot là pour venir? Si tu vois comment c'est là, ton mot à l'air, tu mets, tu coupes un mot toi. Mais est-ce qu'il est prêt pour sa mot là? Alors, tout cela, c'est une question importante qui les bons nous tirent à des choses. Et surtout, quand nous trouvons un monde, c'est un moment-là, pas de guetter, c'est pas Mercedes, ça ne coûte pas un million. Quand la mort va venir, qui l'a arrivé? Tout le monde quitte tout ce qu'ils ont dedans, vraiment. C'est. Ça, c'est une réalité. Quand un monde, il vit dans sa dunia-là, même qui est dans la luxe, même qui est dans la richesse, quand la mort vient, il n'y a pas de valeur pour ça. Si c'est un moment-là, il est capable, il dépense tout ce qu'il est capable. Juste pour s'appeler avec la mort, il va faire, il va. Alors, la Bramine montre-nous là. Du monde pas guetté, qui parle de mon Mercedes, c'est pas pourquoi elle est en guetté là. Guetté qui était sauvé, parce qu'il vient. Parce que, bien sauvé depuis là, mais bien sauvé depuis la mort. Alors, matériel, dunia n'a pas aucune valeur. Ça qui tient que du monde, parfois, ben, je mets l'emphase là, je galope de ça, et je même, quand je me galope de dunia, je néglige, je d'akhirat. Connais qui, ça qui tient dans, il n'y a pas pour nous aucun service, ou même quand la mort vient avec nous pour sauver les livres. Alors, qui fait, dans un moment qu'il y a l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas mettre l'enfant sur l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, et ou quitte le bon matériel. Surtout qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cause avec nous. Voilà, dans un hadith, qui appelle le hadith, Qudsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala lit, adresse. Nous directement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause avec nous pour dire. Allah dit, ô mon esclave, libère-toi pour faire mon ibadat. Libère-toi pour faire quoi? Libère-toi pour faire mon ibadat. Alors, connais qui dit un devoir là, nous ça, n'importe quel moment, malgré qui quand c'est travail qui nous fait faire là, il est important. N'importe quelle chose qui est important dans la vie, il peut appeler l'importance. Qui ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui vous a gagné priorité dans nous la vie. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il vraiment nous donne ibadat Allah subhanahu wa ta'ala priorité dans nous la vie? Est-ce qu'il a raison donné, nous donne priorité dans la masse, dans tout travail, dans tous les titres, dans tous les choses, dans toutes les choses? C'est comme ça, alhamdulillah. Mais s'il n'est pas comme ça, ben, il arrive bien pour faire des comme ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait. Quand il crée nous, il a voulu le dunya. Il crée nous pour une vie spécifique. Allah dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa fin crée djinn et insa l'accepté pour faire mon ibadat. Alors ça c'est le but principal qui fait Allah fin crée nous. Il a voulu la terre pour nous faire ce ibadat. Si nous venons la terre à Allah et nous ne pas faire ibadat à Allah, ça veut dire nous faisons dans nos missions. Nous faisons dans raison d'être qui fait nous là. Alors, qui nous va répondre avec Allah subhanahu wa ta'ala s'il nous pas donne priorité, ibadat Allah, dans tout le monde? Alors, il y a un peu autant, dans la situation de nous tiendrons des choses là, qui nous finissent de créer pour faire ibadat. Alors, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala finit faire cet événement-là, prend place pour nous tiendre des choses. Un bon des choses qui s'adonnent là, il n'y a aucune valeur pour nous-mêmes. Nous-mêmes nous sauver depuis ça, quand la mort vient. Alors, qui vient nous galoper de Yali et qui. Nous pouvons besoin qu'il tout nous aller, alors nous donne priorité à quelque chose qui pourra nous servir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Pour une des choses qui nous capable tirer encore, mon frère, ma soeur, c'est qu'un musulman, il besoin tout le temps prend précautions nécessaires, il ne pas faire négligence. Il ne peut pas dire qu'il s'en du monde qui se dans le travail. Et finalement, je tombe dans sa situation, je ne fais une négligence. Mais nous pouvons plutôt savoir qui, quand je vais get tam tam le Facebook, alors je gagne l'envie sorti, elle m'a pensé à elle, elle guette qui peut dérouler. Après qu'il finit mes classes 3, elle finit, gagne tout un warning qui besoin, là aussi je gagne envie guette. Elle guette à chacun de vous, qui peut dérouler, qui peut dérouler. Alors nous disons, ce n'est pas un dîme qui finance à nous pour juste sortir, place à Allah sans qui nous prend une précaution. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois,
معبودي با أنس بن مالك رضي الله عنه لجيه قال رجل أنجمون في المني لجيه يا رسول الله أم سعيد الله أنقلها وتوكل أو أطلقها وتوكل alors because on a ce samo لجيه اسكي مو تسلي après vous place توكل لو الله bien me quitte لي après vous place mon توكل لو الله alors رسول صلى الله عليه وسلم في جالي أنقلها وتوكل alors attache-les, les là te place sur ta wakul. Ça a dit un hadith qui est bien connu, beaucoup de monde, quand je te causais, disait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, attache-toi sa mot. Et oui, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, attache-toi sa mot, qui vient de l'attache-toi sa mot. Quand on attache-toi sa mot, nous passe ta wakul à Allah, ça nous prend toutes les précautions nécessaires pour que sa mot là n'est pas sauvé, n'est pas allé, n'est pas perdu. Alors, quand nous vient à cela, il y a une place à Wakulu Allah qui Allah Robamin pour garder saint et sauf ici là. Mais nous quittons comme ça, après nous disons, Allah nous l'est. Comme ça qu'il Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous non. Alors comme ça même, un dimanche n'est pas fait négligence. Après un pied, un bras, ça va tomber sur la tête, ni mot. Allah décide. Allah qui décide tout. Hajimun qui, mort le solidi, et Hajimun qui, suicidé là, Allah même qui décide ça, il y en a d'autres qui décide à bord d'Allah. Mais ça a du monde qui meurt sans qui, il y a une négligence ça, ni sur l'État, avec un du monde qui suicide. Sur l'État pareil contre Allah, pas pareil, mais pareil. Ça a du monde qui prend précaution là, avec ça a du monde qui ne prend pas précaution là. Je ne cas pas pareil contre Allah. Pas une négligence, après on va être au loc, ça là. Après on va être au loc, Allah. Il y en a d'autres qui nous disent, financez nous, pour prendre toutes les précautions nécessaires, n'importe quand, qu'il soit un cyclone ou bien n'importe qui man, warning qui nous gagne, alors nous ne devons pas faire une église, nous disent pas financer nous pour faire une négligence, alors il y a un pote. Hein? Il y en a quelqu'un qui pense parmi nous qui, quand de l'eau pour traverser, miraille bouton, ça tu penses ça. Alors tu peux penser à côté de sa miraille là. Hein, je pensais qu'il y a un coup de samiraï là pour tomber aux autres. Personne ne va s'y penser. Vous êtes même étonné. Je suis un seul coup de. Alhamdulillah, là, je suis un peu loin. Je suis plus près. Si c'est un moment qui. Vous voyez, quand l'amour n'est pas écrit à vous, c'est-à-dire, vous pouvez passer à l'amour pour aller. Mais si Allah va voir une écrit à l'amour pour vous, si Allah s'écrit à votre amour, ça vient là, pas tu pourras pas ça. Mais si un petit monde dit tu prends précaution, d'après ça, je pensais. Hein, dans un moment pareil, il y en a d'autres qui disent tu vous plies bon pour lui-même. Moi, il y a des choses encore qui nous avons tirées dans ce qui vient de dérouler. C'est qu'Allah, Rabbul Alamin, lui fait ce qu'il y a envie. Il est capable de dire ce qu'il voulait, faire ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas des choses, insan qui prévaloir l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah lui fait ce qu'il lui voulait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'est, qui s'y achètera bien comme ça. Qui sera qui entend, qui sera qui va entendre ça, Allah lui connaît. Nous ne pouvons pas défendre personne là. Mais ce qui est important, dans toute décision qui est capable de dérouler, dernière décision, ou bien décision qui vous prend en place, c'est que ça, c'est une décision. C'est ce qu'Allah, Rabbul Amin, décide. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit décider, c'est ça qui va arriver. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il finit de décréter qu'il s'en arrive comme ça. Mais c'est pas normal, nous faisons prendre toutes les précautions. C'est lui qui nous faute, Nous avons pouvoir nous défendre, mais ben, qui n'est pas capable de défendre. Mais seulement, qu'on est qui finalement, quand une fille arrive ça, Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ça. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'est, qui s'en prend en place. Alors, ce qui vient prendre en place là, mon frère et soeur, il y en a d'autres qui ont beaucoup de leçons pour nous tirer dans cet événement-là. Premièrement, normalement, quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'appli est connue comme une bénédiction de la part d'Allah. Une bénédiction de la part d'Allah. En général, quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'appli, c'est dégâté. L'appli, c'est une bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, quand les causes concernant, comment il descend de l'eau depuis l'eau, les ciels, les fermes, les plantes poussées, etc. Alors, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cause ça comme une bénédiction des support. Allah subhanahu wa ta'ala, il cause concernant Nuh alayhi salam, comment il habite ce peuple, pour se faire sirfa, pour se faire pardon. En retour,
Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse faire veiller à l'autre. Qui va faire? Les dix premières questions, Yursil Sama alaykum midrara. Allah vous descend la pluie en abondance aux autres. Et quand même faveur. Et la pluie, c'est une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est en général. Nous comptons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la pluie tomber. Mais seulement, ce qui est plus important derrière tout cela, c'est qu'il la pluie, il ne tombe pas, quand il a envie, comme il a envie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la pluie tomber. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui constate la pluie pour tomber dans qui place. Ça n'est pas dans la capacité de personne pour connaître et pour faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Qui constate la pluie pour tomber dans qui endroit, qui place. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui décide qui constate la pluie pour descendre dans n'importe qui place. Et ça, conception-là, même dans le koufar de la Makkah, c'est ça. Je suis croire là-dedans. Qui Allah Rabbi Amin, lui qui décide quand la pluie pour tomber. Allah dit, voilà insa'atahum. Man nazzala minas sama ima'a. Quand tu dis man kafir, man mushrik là, qui sera qui descend la pluie depuis des ciels. Fa ahya bihi al-ardu min ba'di mawtiha. Il fait, man la terre revive après sur la mort. La yaqulunna Allah. Man là aussi je suis dit Allah. Man là aussi je dis Allah. Ça c'est une réalité qui se tout connaît, qui sait. Bon Dieu, Allah, lui-même lui tout seul, qui fait la pluie tomber. Mais c'est moi ce qui est plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait garde ça qui tourne dans l'ilm al-ghaib. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala fait garde ça dans l'ilm al-ghaib, peine personne qui vous gagne sa connaissance sans ça. Allah dit, inna Allah indahu ilm al-sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout seul qui est là, la connaissance de l'heure. C'est comme pour un akhiyama. Wa yunazilul khayth. Et c'est lui qui descend là, la pluie. Dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit cause tout le monde qui chose qui lui fait, dit tout seul, et dit tout seul qui connaît. Dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, et dans cinq la clé des raïbs. Et dans cinq la clé des raïbs. Qui personne ne pas comme ça excepté Allah. Personne ne connaît ce qui les matrices diminuées excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît qui peut arriver demain excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît quand la pluie peut tomber excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît quand la pluie peut tomber excepté que cela. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous trouvons météo, mais prévoir. Ou bien, nous devons faire. Prévoir, qui voit là, la pluie. Combien de fois je ne prévois pour la pluie? Et le soleil, ou bien pas le soleil? Alors, ce qui se peut dire là, ça c'est une prédiction basée sur une donnée. C'est-à-dire, je trouve, je ne sais pas, et dans la brise, je peux venir dans telle direction, et dans la nuage, je peux venir dans telle direction, je peux prévoir qui est capable de ça. Mais seulement, est-ce que c'est une question définitive? Il y a d'autres qui non. Même, frère Abzal, il peut penser comme ça, mais est-ce qu'il est exactement comme ça? Pas nécessaire. Possiblement, il y a un moment, il est arrivé, là, il y a arrivé ça. Tiens, une masse nuageuse qui est bien épais, tu passes sur Moïse, un goût de la pluie va tomber. D'après Frère Abzal, d'après Météo, il peut arrêter. Gros la pluie, tu donnes conseil à l'école tout. Qui fait? Parce que je peux prévoir. Mais ce n'est pas cette prédiction qu'il peut faire. La pluie a tombé. Ça veut dire que si Allah Rabbul Amin voulait, ça qui va arriver. Si Allah Rabbul Amin voulait, la pluie a tombé, la pluie a tombé. Si Allah Rabbul Amin pas décide que la pluie peut tomber, ben la personne qui ne peut pas faire la pluie a tombé. Mais c'est mort. Il reste qu'ici. Nous trouvons un signe, comme mon frère Abzal, il y a un signe qui est une grande possibilité, qui est en gros la pluie peut tomber. Nous prenons une précaution, par exemple, nous pas. Al travail, nous pas avoir les enfants à l'école, il y en a d'autres qui pénalisent haram. Au contraire, nous devons prendre une précaution. Mais c'est mal, il reste qui, dans nos conceptions, c'est qui, Allah tout seul connaît, qui quand c'est la pluie pour tomber, quand ça bouton. Personne ne pénalise sa connaissance, excepté que ça, excepté Allah, nous redire. Même frère, Abzal, qui quand ça ne fait pas là, il n'est la raison de la météo. Ça même frère l'année dernière, par un espèce d'accord, rappelle,
C'est là, un masse nuageuse, bien épais, qui traverse sur l'île Maurice. Une goutte de la pluie n'a pas tombé. Mais l'île qui prévoit qu'elle était, pour un an, vous savez, beaucoup de inondation dans plusieurs endroits. Alors tout cela, c'est pour montrer, je, qui, sa prédiction qu'il peut faire là, mais il n'en a rien définitif là-dedans. C'est Allah, le roi Amin, lui qui vous décide. Est-ce qu'il peut faire la pluie là tomber, ou bien il peut faire les tomber. Et si vous faites les tomber aussi, combien et quoi de ça il peut tomber, personne ne perd sa connaissance. Alors, là, il y a qui, beaucoup de monde, parfois, je te fais. Je t'attribue ben malheur, je t'attribue ben, directement, ben, comme si la pluie, lui qui décidait, il peut tomber, c'est ce qu'il y a à dire. Et un lien pour la pluie tomber, ça. Vous entendez un dialogue là? Mais quand on peut dire un lien qui la, pour la pluie tomber là, comme si il y a la pluie là qui peut envie tomber, ça l'est là. Ou bien est-ce qu'il y a ça, et ça kilo, ou il y a ça toupé pour qu'on dire Allah, et t'as Allah. Ah, c'est là que tu fais la pluie tomber, il y a un kilo là. Mais ça, du monde qui tient sa parole là, un lien pour qu'il la pluie tomber. Est-ce qu'il peut réaliser qu'il peut cause avec ça là? Il peut cause à la pluie ou bien oh, c'est lui qui fait la pluie là tomber? Alors, avant qu'il nous dise une parole pareille, ou bien une parole semblable, et il a dit, hé, hey, la pluie avait gâté tout nos plans. Voilà, il fait mes plans là. Alors, la pluie tombait, la pluie gâte ce plan. Et il a dit, il ne peut pas laisser mettre l'insecte. Hein? Un exemple, nous mettons là. Et non, mais il cause, mais mauvais même direct pour la pluie. Il y en a d'autres qui tout cela les grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah va vous amener, il dit, Yassoubou banou Adam, Ad-Dahar. Zanfa Adam, je joue les temps, je ne mal parle les temps. Mais c'est moi les temps, c'est moi qui contrôle les temps. Biyadi al-laylu al-nahar. Dans moi la main qui trouve la nuit et la journée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui contrôle tout qui tourne. Lui qui contrôle quand la pluie, quand c'est la pluie, puis tomber. Lui qui contrôle la nuit, lui qui contrôle la journée. Tout ça là, sous contrôle, que ça là, Allah. Et Allah Rabbu Amin fait nous connaître que quand nous mal parle les temps, c'est une mal parole que ça là. Une mal parole Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne faudrait pas à aucun moment, Mandibon, je te mal parle que t'es. Et je te mal parle les temps. Et là, avec sa nom qui m'a fait mettre, avec sa cyclone là, beaucoup plaisir, Mandibon fait une prend avec sa cyclone là. Alors, bien un doute qu'il s'en a une parole qui Mandibon peut dire. L'eau, ça l'étend là, l'eau, Bilal, ouais, cyclone Bilal, pas même une Bilal, une personne qui appelle Bilal, le cyclone qui s'est venu, beaucoup de paroles dégradantes, beaucoup de paroles insultes qui viennent dérouler. Mais il y a doute que tout cela, c'est une chose qui est bien, bien grave, qu'il ne faudrait pas, musulman, tombe d'aman, et rien, bah c'est pareil. Alors, il y a un beau temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tient nous l'attention là. Il ne faudrait pas nous mal parler les temps, il ne faudrait pas nous mal parler le cyclone. Cyclone dit pas, mais il décide ce qu'il a envie. C'est Allah Rabbu Amin qui ordonne la brise pour souffler quand c'était qu'il voulait, quand il voulait. Alors quand on mal parle la brise, ou mal parle la pluie, ou mal parle n'importe qui, les temps, il y a un doute qu'il peut mal parler ça. Il peut mal parler Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, dans un moment pareil, quand la pluie peut tomber, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'espérance est nous. Pour nous dire, ben, jolie, jolie parole. Parmi nous dire, Allahumma, sayyiban nafi'a. Alors, quand la pluie commence à tomber, nous dire, oh Allah, fais-nous gagner une pluie profitable. Oh Allah, fais-nous gagner une pluie profitable. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tiens-nous, ben, niaz, qui se fait former, ben, gros niaz, qui se fait former, dans ce moment-là, ben, du monde, normalement, surtout dans le pays arabe, on nous connaît très bien, la pluie tombe bien moins. Un arabe, quand on trouve, elle est en nuageux, je suis content, je tenais à l'espoir qu'Allah l'a amené pour faire gâter. La pluie tombe. C'est à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se fait gagner tracas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se fait gagner tracas. À côté par Aïcha radiallahu anha, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver une niage dans l'échelle, tu peux faire aller venir. Quand tout le monde fait aller venir, c'est quand du monde lui paniqué, il est en tracas, il est stressé, vraiment. Il est là que du monde fait aller venir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve Niaz et paix dans l'échelle, alors il se fait faire aller venir. Il se fait rentrer sortir. Et Sophie Guillaume, tu peux changer. Sophie Guillaume, tu peux changer. Alors quand la pluie tu peux tomber,
Les là, ils se font vivre normal. C'est quand la pluie commence à tomber, les gens vivent normal. Alors, mon fils dit, concernant ça, Aïcha radiallahu anha, il vit sa réaction là. Depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à mettre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répond, il finit Jali. Il dit, Jali, il ne m'a pas connu. Capable, ni comment, il ne pas connu quand il est là comme ça. Il dit, capable, ni comment, un peuple qui te dit, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم آيات قد الله سبحانه وتعالى بكوس كونسلا كما باب دي نوح عليه السلام جن ترو من نياز فين رسامبلي في جريز في جن فالي ألو ما ناس مجير سان نيازا بابو نوح كده لابلي مي أوفي سي با لابلي كي تبيني سي كالاميتي الله سبحانه وتعالى كي تبيني. Alors, Aïcha radiallahu anha, quand il vient demander ça à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il se fait un tracas, à chaque fois qu'il est dans un niaz épais, gros niaz, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il se fait un tracas. Attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur calamité. Alors, nous aussi, étant man, esclaves Allah subhanahu wa ta'ala, si nous Rasoul, tu fais un tracas quand niaz épais, nous pas besoin d'un tracas. Il y en a d'autres qui nous aussi, nous fais un tracas. Parce que vraiment, n'importe quel moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire tout ce monde de l'eau déversé sur nous, combien de tonnes de l'eau déversé sur nous, mais la personne nous appelle. Apporté par Aïcha radiallahu anha, il montre nous encore une précaution qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu les prends. Il disait qu'à l'ébrouille sallallahu alayhi wa sallam, tu les trouves un petit niaz dans le ciel, pas quoi gros là, un petit niaz dans le ciel, il se fait quitter ce travail, même s'il dit tu peux faire salat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même lui fait salat, il quitte salat quand il trouve qu'il est. Il ne pas continuer à faire salat. Pas il casse son amas, non. Ça veut dire qu'il faire salat, il va se faire aider, après il refait aider, après il refait aider. Quand il finit faire aider, il trouve ça, il arrête de faire salat. Il arrête de faire tout travail. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma inni a'udhu bika min sharriha. Oh Allah, moi c'est protection avec toi contre les mal qui est dans la dent. Contre ce mal. C'est-à-dire, il n'y a pas de camp énorme, ni un, c'est peut traverser, capable de regarder. Capable de les mal là-dedans. Pas tout le temps, il amène ses bien. Parfois, il amène les mal. Et quand la pluie commence à tomber, les gens disent Allahumma sayyiban haniya, ou bien sayyiban nafia. Oh Allah, fais-le bien bon la pluie. Fais-le bien la pluie profitable. Dans notre hadith, rapporté par Aïcha, on a toujours les dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver un niaz, mais vine, depuis quelle direction, alors tu peux quitter ce qu'il peut faire, même si tu es dans salat, afin qu'il mette en face de sa niaza. C'est-à-dire, il vient de niaza et il dit, oh Allah, mauvaise protection contre les mal avec lesquels tu peux être, c'est-à-dire qu'il peut être envoyé. Oh Allah, mauvaise protection contre les mal avec lesquels il peut être envoyé. C'est-à-dire, quand sa niaza peut venir, il connaît, c'est Allah qui peut envoyer ça. Alors, il demande à Allah protection contre les mal qu'Allah peut envoyer ça. Ça nia ça. Si la pluie peut tomber, alors il dit deux ou bien trois fois, ça doit aller à Allahumma, ça y est maintenant, viens. Ou Allah, fais ça la pluie, là, viens la pluie, profitable. Et si la pluie ne peut pas tomber, là aussi, il peut faire éloge à Allah. Il peut dire Alhamdulillah. Il peut dire Alhamdulillah, c'est-à-dire. Allah Rabbi Amin, pas de sancho. Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin de sancho, chocolat. Alors, pour un doute qui, moment qui l'a pluie tomber, c'est un moment qu'il doit accepter. C'est un moment qu'il doit accepter, à part qu'il nous joue un doigt avec Allah pour qu'il fasse la pluie, avec la pluie profitable, et nous fasse protection avec Allah contre ben les mal qui est là dedans ou bien ben les mal qui lui fait s'envoyer. Alors, c'est un moment-là, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, cesse réponse pour ce ben doigt quand ben l'armée fin jeune. Pendant l'Ikrama et quand la pluie est tombée. C'est trois moments qui nous doivent accepter ça. C'est quand dès l'armée jeune, l'armée musulmane avec l'armée kafir jeune, c'est un moment-là, on doit accepter. Quand on donne l'Ikrama, c'est un moment-là, on doit accepter. Et quand la pluie est tombée, c'est un moment-là, on doit accepter. Alors profitez, quand il y a la pluie, nous demandons beaucoup d'aide. Nous demandons beaucoup de protection avec Allah et aussi nous demandons de bienfaits qui nous lient. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand la pluie fait commence à tomber, parmi les sunnah, c'est de se mettre sur l'aise, l'eau aux épaules, pour qu'il s'en la pluie, là tombe l'eau sur les corps. Alors, comment rapporté par
Anas radiallahu anhu dit, nous sommes avec les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand la pluie vient pour assombrer. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fait avant sur la haine, début sur des épaules, afin qu'il y mouille avec la pluie. Alors nous vient demander, qui vient ou vient faire ça? Alors il dit, ça la pluie là, vient faire descendre depuis sur l'homme. Ça la pluie là fait descendre depuis sur l'homme. Alors pour les gens qui étaient bénédictions qui peut descendre. Alors pas de doute que la pluie, quand nous disons, c'est un barakat, c'est un bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand la pluie tombe, c'est normal, nous comptons, il y en a même qui nous demandent, ben, doit qui, ça, la pluie là, lui vient une pluie profitable, mais il reste qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi envoie la pluie comme azab, comme punition. Alors, quand nous faisons un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, là, nous citons un autre riwayat de ce hadith-là, abordé par Aisha radiallahu anha, toujours lui dire, quand le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu vas trouver un niaz noir, c'est quoi? Niaz bien épais, ça. Ou du vent, ou bien quand il y a la brise. Alors, sur physionomie, tu vas changer. Et mon finji a dit, Aisha radiallahu anha, finji, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au message d'Allah, quand un monde trouve un niaz noir, je suis content, parce que je connais qu'un niaz noir, là, la pluie peut tomber. Avec les soirs qui divinent, avec la pluie. Alors, mais moi, je trouve, au fini, à fin changer, avec sa qualité niaz, et il en a frayé là au figuier. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, oh Aïcha, je ne pas sortir moi en sécurité, à cause qui est capable et la punition là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, quand il trouve niaz noir, il dit, je ne pas sortir moi en sécurité. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas senti ni en sécurité quand niage noir. Nous a senti nous en sécurité. Puis quand c'est la prière, nous faisons. Mais c'est bon, nous, donc, disons, avec une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous, même si quand si nous donne la carte, nous faisons partout, sans la prise, nous ne pas attendre, nous ne pas casser la tête, nous ne pas être à cas. Au contraire, si en dedans, nous allons mettre une télévision, nous allons mettre une film, tout à fait, tout est pour le normal. Et qui, au fait, c'est un moment-là, c'est un moment qu'on nous vient dans la frère. Je suis dans la frayeur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à un moment-là, il se fait gagner la frayeur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qu'il est capable de la punition. Allah subhanahu wa ta'ala adore. Il a même raconte un peuple qui s'est puni par un divan. Quand Allah se trouve la punition, Allah finit dire sa niyaza peut apporter nous la pluie. Mais au fait, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'avoir ce colère, il envoie sur calamité, l'eau savane du monde. Parmi les gens qui nous tirent encore, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'y va faire aucune catastrophe pas en place, excepté par PC qui va du monde faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Zahra al-fasadu fil barri wal bahr » La corruption des eaux fin paraît dans l'eau, la terre et dans la mer. Et de l'eau, la terre et dans la mer. Bima kasabat aidin nas. Par ce qui Jimoun fin faire. Par ce qui Jimoun fin faire. Par ce qui Jimoun fin faire devant péché. Allah dit li yudhiqahum ba'd alladhi amilu. Allah fait ça. Allah fait ça man katastrophe là pour en place. Ça man un désastre là pour en place. Pour faire man Jimoun goûte un petit peu de ce qui je fin faire. Si je fais un bon, Allah va faire tout ça. C'est vrai, je fais un bon, mauvais. La Allahum yarji'un. Afin qu'il y ait des gens qui se retournent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fini. Faire sa catastrophe-là prend place dans nos pays, ou bien ce qu'il peut faire prend place dans les autres pays, excepté pour nous tirer les gens. C'est les gens qui nous ont tirés. C'est qu'ils tentent qu'ils nous vivent dans l'obéissance à Allah. Allah fait nous vivre bien, pas pour un cyclone. Qui pouvait nous démolir partout, qui pouvait nous craser partout, pas pour une inondation, pas pour une rien. Mais si vous continuez dans la désobéissance à Allah, il y a la même qui, parce que ce qu'on trouvait là, plus bien tout capable d'arriver. Parce que tout ce qu'on appelle calamité, qui vient bien de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qui frappe dans le monde, pas une seule cause. Parce que désobéissance qui vient là des autres parts. A cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause concernant différentes punitions, qu'il finit en bas avec différents peuples, il dit, chacun nous trappe par notre péché. Mais la personne qui veut vivre dans l'obéissance à Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit en bas avec des calamités d'autres. C'est par péché que je viens de faire,
Et là, qui Allah subhanahu wa ta'ala vient trapper. Si aujourd'hui, nous trouvons sa situation qui nous vient témoigner là, c'est par un PC qui m'a dit mon vivre. Mais dans l'autre, à part ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, et pour nous, les tchouan maliens là, 124 ans, sont là, trop facile ça. Mais quand on trouve un malien, il peut venir, Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre clair, wa ma asabakum bim musibatin. Mais il n'y a aucun musibat qui touche. Fabima kasabat aidikum. C'est ce qui vous l'armée vient faire. C'est Antoine Malia vient faire où? C'est une faute. Elle a une désobéissance, des opports, qui peut faire où? Subir ce qu'on peut subir. Voya fou an kathir. Et Allah lui pardonne beaucoup. Allah lui pardonne beaucoup ça. Si il sera nous pour tout baisser, personne ne peut exister dans la terre. Allah lui pardonne nous beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il peut faire certaines semaines. Coller à manifester pour nous tirer les sons. Qui les sont? Arrêtez avec désobéissance. Assez avec ma désobéissance. Retourne vers Allah. Reste dans l'obéissance à Allah. Tant qu'il nous reste dans l'obéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous vivre en paix, en sécurité, en bien. L'osso d'union, nous demandons donc Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça, des trois points qui nous font attirer l'attention à Allah. Il fait nous. Tiens les sons de ce qui vient d'arriver et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait un oubine parmi man qui nous reste sur l'obéissance, nous quitte tout le monde des obéissances et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il maintient à nous l'eau sur l'obéissance jusqu'à qu'il a mort, il vient avec nous et qu'il n'y a pas fait nous mort, excepté comme man musulman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.